que vous applaudissiez nos Pom Pom Girls. Valentina Pasconi, Alessandra Amram, Nicole Fontana et Francesca Castiolo. En même temps, voilà, puisqu'elles sont là, mesdames et messieurs, je voudrais représenter, quand je vous dis que ce sont des femmes très intéressantes, elles sont belles, elles ne montagent pas, elles travaillent. Mais vous avez aussi une dénonceuse qui est stock contracteur. Ça veut dire qu'elle est venue avec des animaux qui ont forcé l'admiration. C'est le Plélan Ranch by Nicole Fontana. Ne vous y faites pas, une dame de poil. En même temps, puisque je suis là, c'est un double Ranch, elle, 8 secondes, WL, qui sont les stock contracteurs, qui nous ont amené les bêtes ici. Maintenant, je vais vous demander de vous lever. Stand up. Parce que elle est un stock contracteur, aussi le petit rang représenté ici, à cheval, par son petit représentant. Pourquoi je vous ai demandé de vous lever ? Parce que pour moi, tous ces gens que vous avez vus, qui viennent du Brésil, qui viennent du Mexique, qui viennent de France, qui viennent de Belgique, tous ces gens ont pris tous les risques pour que vous repartiez avec un énorme sourire. Applaudissez-les. Je pense, au nom de tout le monde, je vais vous demander d'applaudir ceux qui ont assuré la rigueur, ceux qui ont fait preuve de professionnalisme, qui nous viennent des États-Unis, du Texas, qui sont les commandes professionnels de la PRCA. Professional Radio Carbon Association. Je voudrais que vous applaudissiez M. Doug Adams. Moi, je voudrais qu'on l'applaudisse parce que ce monsieur d'une humilité et d'un professionnalisme, à toutes les preuves, il fait partie des plus grands bullfighters américains. Il s'est déplacé, c'était la première fois qu'il nous faisait l'honneur de venir en France, et j'ai cru entendre qu'on a des chances de le revoir. Sachez que ce monsieur était dans le titre 8 secondes. Que c'est un cowboy professionnel depuis, je ne vais pas trop le dire, mais de nombreuses années. Il travaille, il est recruté sur les champions de Championship à Las Vegas. Monsieur Léon, en The Big Bull Fight. Je vais aller par là, en même temps, parce que pour moi, il est très important que ce soit nominatif. Je voudrais qu'on remercie ces deux personnages qui étaient là pour récupérer les cavaliers en perdition. Ce sont nos pick-up men. Je vous demande d'applaudir. Maintenant, on va vous montrer de la perte. Le stand est prêt. Je ne peux pas faire ça sans oublier notre directeur d'arena, M. Philippe Coulon. Mesdames et messieurs, c'est la 14e année des équipes. Je voudrais en profiter pour remercier M. Sylvain Poche. Je voudrais remercier M. Sylvain Poche de nous faire toutes les photos. Vous pouvez en disposer sur l'instant. Très très bon photographe et garçon très sympathique au devant. Par contre, il y a 14 ans, un homme avait un rêve. Comme un Américain a dit, I have a dream.
Le seul problème, c'est qu'il a fait Yes We Can. C'est qu'il a fait. Ce monsieur s'appelle Monsieur Philippe Lafont. On leur dit, n'oubliez pas d'applaudir ces garçons qui étaient là pour que ça fonctionne. Et surtout, messieurs, dames, il ne faut pas oublier Mike Samios. Alors, je voulais juste vous dire une chose. Je ne suis que le serviteur de cela. C'est eux qu'il faut applaudir. Plus fort pour nos femmes, nos hommes, nos enfants, en tout cas, nos danseurs, nos coiffeurs, il est du calibre. Plus fort, Jean-Paul, pour tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, ça va être le moment de se quitter. Il va falloir que les juges aillent faire les totales. Pour qu'on puisse faire la remise des prix dans environ une autre quart d'heure sous le chapiteau. Moi j'ai été très heureux d'être là parmi vous. Un souhait, vous revoir l'année prochaine. Bye bye, see you next year. Grand merci. Petite demoiselle toute gentille, fait partie du Breaking Rock, qui était dans les shoots, qui appelait les animaux de son équipe, qui sont des stars contracteurs. Voilà.